carnaval aujourd'hui. Moi, je vais bien m'amuser avec mon ami, le grand, grand, grand dragon du carnaval chinois. Et Kim, notre nouvel ami, je pense qu'avec la maîtresse, vous allez découvrir 3 déguisements du son comme dans carnaval. Et moi, je retourne m'amuser avec mon ami, le grand dragon du carnaval. À tout à l'heure, les amis! Salut les élèves, et bien aujourd'hui nous nous retrouvons dans Taoki, page 102-103, pour une toute nouvelle histoire. Deux dragons dans la ville. Et dans le nuage, aujourd'hui, tu as 3 déguisements du son K. Le son K avec la lettre Q, la lettre K et 2 lettres CH aujourd'hui qui feront le son K. Je t'invite d'ailleurs à découvrir les mots repères. Le masque que l'on porte pendant le carnaval. Le kimono. Les Chinois portent des kimonos. Le kimono. La chorale. Donc lorsqu'il y a un groupe de personnes qui chantent, c'est une chorale avec CH. Attention, ici, c'est CH qui fait le son K. Nous découvrons la grande image tout à l'heure. D'abord, faisons un petit tour sur l'ardoise. Nous voici donc sur l'ardoise. Tu connaissais déjà le son K, comme dans le mot carnaval, puisqu'aujourd'hui nos amis sont au carnaval. Et un nouveau déguisement du son K avec la lettre Q, comme dans le requin. Attention, la lettre Q est souvent accompagné de la lettre U. Donc on a Q, U pour faire le mot requin. Un autre déguisement du son K avec la lettre K. Comme dans le ski. Rappelle-toi, dans les Alpes, nos amis sont partis faire du ski. Et enfin, un quatrième déguisement du son K avec les lettres CH. Attention, aujourd'hui, ça ne fera pas ch. Ça fera K, comme dans chronomètre. Le chronomètre sert à mesurer le temps pour connaître la durée d'une action. Chronomètre. Voilà, je te propose de revenir sur le livre. Observons la grande image. À ton avis, où se déroule cette scène? Très bien, cette scène se déroule dans une rue. Car il y a un trottoir. Qui voit-on sur cette scène? Alors, nous voyons Lily, Hugo, Taoki, bien sûr, mais ils sont accompagnés d'une petite fille qui s'appelle Kim. Et bien sûr, d'autres personnes, des adultes, des enfants, une chorale. Comment sais-tu que c'est une chorale? Il y a des notes de musique qui indiquent qu'ils sont en train de chanter. Un monsieur qui porte un masque avec le son K. Que font ces personnes? Ces personnes participent à un défilé puisqu'elles portent toutes le même costume et c'est le carnaval chinois avec un grand dragon. Maintenu par des petits bâtons. Et nous voyons ici Taoki qui vole au-dessus du dragon. Voilà, c'est tout pour la grande image. Je t'invite à faire l'exercice. Lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son K? Alors, nous allons observer ici les lettres en rouge. Ici, sur l'image, c'est un moustique. Le déguisement, c'est la lettre Q, accompagnée de U. Un chronomètre, comme sur l'ardoise. Cet objet est un chronomètre. Ça sert à mesurer le temps, à savoir pendant combien de temps tu fais quelque chose. Un cochon. À la ferme, il y a des cochons. Avec la lettre C. Un coq. Alors attention, dans le mot coq, tu as le C
et le cul. Deux déguisements dans le même mot. Deuxième ligne. Un kangourou avec la lettre K. Un judoka avec la lettre K. C'est quelqu'un qui pratique le judo. Dans judoka, j'entends judo. Un masque avec la lettre Q. Et enfin, un koala avec la lettre K. C'est très bien. Je t'invite maintenant à lire les syllabes. Page 103. Lis les syllabes. Tu répètes après moi. Que. Qu'è. Qu'a. Co. Qui. Qu'a. Quand. Qu'è. Cro. Qu'è. Qui. Deuxième ligne. Quand. Co. Cri. Goût. Jean. Cro. Quand. Tain. Qu'est. Rac. Qui. C'est très bien. Tu es donc capable de lire les mots, car les mots sont des syllabes qui se donnent la main. Lis les mots. Un écho. Attention à la liaison. Un écho, c'est lorsque ta voix résonne. Dans une grotte, par exemple, tu fais un son, tu émets un son et tu l'entends plusieurs fois. Par exemple, « et ». C'est un écho. Un requin. Ce grand poisson bleu avec un aileron qui peut, parfois, manger les humains. Attention. Un kiosque. C'est un abri tout rond que l'on peut voir dans les parcs, mais également dans les villes, et on y vend des journaux. Une équipe. Pour jouer au rugby, par exemple, on forme des équipes. Ce sont des groupes de personnes. La chorale. Plusieurs personnes qui chantent forment une chorale. Le rock. C'est un style musical dans lequel on retrouve très souvent la guitare électrique. L'orchidée. C'est une très très jolie fleur, très très rare, qui ne fleurit qu'une fois. L'orchidée. Critiquer. Critiquer une personne, parler d'une personne ou émettre un avis sur quelque chose. C'est critiquer. Risquer. Lorsque tu montes sur la chaise et que maman a dit non, c'est risqué car tu peux tomber et te faire très mal. Risquer, comme risquer de tomber. Très bien, tu es donc prêt à lire les phrases. Lis les phrases. Il manque un candidat pour le karaoké. Alors, un candidat, c'est une personne qui participe à un jeu ou un concours. Le karaoké, c'est lorsqu'on écoute une chanson devant un téléviseur avec les paroles qui défilent et on chante en même temps. Karaoké. Deuxième ligne. Christina a soudain quitté la chorale de l'école. Très bien, Christina, c'est une fille. Le son K
Ici s'écrit avec CH, comme dans Christian. Nouveau mot outil d'aujourd'hui, soudain. S-O-U-D-A-I-N, avec le 1 de maintenant. Soudain, cela signifie brusquement, tout à coup, très très vite, on ne s'y attendait pas. Troisième phrase. Pourquoi ne pas pique-niquer après le cours de ski? C'est une question. Il y a le mot « pourquoi » qui sert à poser une question et je vois à la fin de ma phrase un point d'interrogation. Pique-niquer, c'est prendre un goûter, un petit repas, à même le sol dans un parc avec une nappe. Dernière phrase, soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Alors ici, nous avons un point d'exclamation. Tu dois donc monter un peu la voix. Soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Très bien. Je t'invite à écrire plusieurs fois le nouveau mot outil, soudain, sur ton ardoise. À tout de suite pour la lecture de l'histoire. Lis l'histoire de Taoki. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Venez vite voir le défilé. C'est une fête unique à ne pas rater. À leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Il y a aussi une chorale. La foule admire les chars. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. Alors, n'hésite pas à faire pause pour reprendre chaque phrase en mettant le ton. Tu dois observer la ponctuation ici. La voix monte un peu car il y a un point d'exclamation. Venez vite voir le défilé. Kim, l'ami d'Hugo et Lily, s'écrit avec la lettre K. C'est une petite fille. Un char, c'est une grande voiture qui a été décorée pour le carnaval. Le dragon se dandine. Il avance en faisant des petits mouvements, en dansant. Voilà, je t'invite à reprendre cette lecture et n'hésite pas à faire pause. En tout cas, moi, je me suis vraiment, vraiment, vraiment bien amusée avec mon ami le dragon. J'ai volé, j'ai dansé, il y avait de la musique. Ah, les amis, j'espère que ça vous a plu, cette histoire. Et puis, n'oubliez pas, il faut aussi réviser les mots-outils. À bientôt, les amis.